If God had given you 99, just know it. Every time that we celebrate a birthday, there is one that's minus. Et cela, je ne m'adresse pas seulement à Mama Gina. I'm not just speaking to Mama Gina. Je m'adresse à tout le monde. I'm speaking to you, to all of us. Enfin, on se réjouit quand on fête l'anniversaire. Sometimes we are happy when we're celebrating our birthdays. Mais de l'autre côté, il faut savoir que les années diminuent. But on the other side, we have to remember that our years is going down. Bénissons Dieu parce qu'il y en a qui sont morts avant elle. We bless God because there's people who had died before her. Je crois papa l'a bien dit, ou
pour arriver à 50 ans, il y a eu les hauts et les bas. I believe Father had said it before we get on 50, there was the up and down. Donc c'est un sujet de gloire pour dire le Seigneur nous a protégés. It's a subject of glory to say God will protect us. Voilà pourquoi nous acclamons pour dire merci à Dieu pour les 50 ans. That's why we are clapping to say that thank you for these 50 years. La deuxième chose qui a attiré mon attention. The second thing that caught my attention. Le fait de préparer une surprise pour elle. To have a surprise for her. Elle ne savait pas. She didn't know. Aujourd'hui, il y aura une belle surprise. Like today, it's going to be this beautiful surprise. Vous avez vu qu'elle avait même pleuré. You see, she even cried. Cela veut dire que dans nos vies, il n'y a pas seulement que le temps de douleur. That means in our life, there is not just a suffering time. Il faut s'attendre aussi que le Seigneur est capable de nous faire des surprises. We have to wait to think that God can surprise us as well. Elle ne s'attendait pas. She wasn't waiting for it. Mais ça s'est réalisé. As this had happened. Je suis en train de prier Dieu à l'occasion de cet anniversaire. I'm praying God for this birthday. Que Dieu te réserve aussi une bonne surprise. May God give you a lot of good surprises. Avant la fin de l'année. Before the end of this year. La façon de dire amen ne me rassure pas. Amen. Peut-être pour toi ça ne sera pas la surprise d'anniversaire. Maybe for you it's not going to be a birthday. Mais ça sera un enfant. Maybe it's going to be a child. Une promotion. Maybe a promotion. Ah là vous dites mais amen. Promotion amen. Manager. Pour les autres, ça sera un mariage. For others, it's going to be a wedding. Il y a des gens qui vont dire amen pour les mariages. Amen, moi, papa. Oh, pour les autres, ça sera une surprise d'une voiture. For some, it's going to be a car. Il y en a aussi qui vont recevoir une surprise d'aller en Afrique. There's those who's going to have surprise to go in Africa. Africa, no. Africa for business, yes. No, for business, yes, Papa. Amen. Amen. Ça me réjouit. Nous allons lire un passage. Ecclésiastes chapitre 3, la Bible dit elle ceci. In Ecclesiastes 3, the Bible says, il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Maman Gina, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Maman Gina, there is a time for everything in this world. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. There is a time to be born and time to die. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. There is a time to sow and time to reap what you had planted. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. A time for kill and time to heal. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. The time to, I would say, demolish and build. Je vais m'arrêter là par rapport à la lecture. Alors je vais parler à Mama Gina et à Papa Gina. I will stop there and I'll speak to Mama Gina and Papa Gina. Pourquoi ce sont les femmes qui prennent seulement les noms des hommes? Why only women take the husband's names? Papa Gina et Mama Gina. Papa Gina et Mama et Mama Gina. Papa Gina et. Je sais ce que j'ai dit. I know what I'm saying. Pourquoi les femmes doivent seulement prendre les noms des hommes? Why only women have to take their husband's names? Aujourd'hui, elle est à l'honneur. Today, she's honored. Maman Gina, vous n'avez pas fait les efforts pour vivre jusqu'à aujourd'hui. Maman Gina, there's no effort that you had done for you to live sur until today. Sur la route du travail, il y a des accidents que tu vois. In your way to work, you see a lot of accidents. Au travail, peut-être il y a un temps, peut-être on m'a appelé. Le 911, il y a quelqu'un qui est tombé au travail. At work, there was a time that there was an incident that they had called 911. Tu l'avais vu aussi. You saw that too. Et moi, je peux vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. But I will tell you something that you will be surprised. Je suis allé prier pour une maman qui célébrait son anniversaire. I went to pray for one lady who was celebrating her birthday. Elle avait 9 enfants. She had 9 kids. Il n'y avait aucun enfant autour d'elle. There was none of her kids around her. Je posais la question à la maman. I asked the mom. Est-ce que tu as les enfants? Do you have kids? Elle m'a dit oui, j'ai 9 enfants. She said yes, I have 9 kids. Mais comment tu célèbres l'anniversaire seul? And I asked her why are you celebrating by yourself? Elle dit papa, chacun s'occupe de sa vie. She said father, each one of them take care of his own life. Je voudrais vous dire de tout mon cœur. I wanted to tell you with all my heart. Toi, tes enfants. You, your kids. Tes beaux-fils. Your son-in-laws. Et la famille.
and the family. C'est une faveur de Dieu. It's God's favor. Amen. Alors pourquoi vous devez être dans la joie? That's why you have to be happy. Et ce que les enfants ont fait. Of what your kids have done. Quand je vous regardais, je me disais, si tu connaissais, j'étais parti prier pour une maman seule alors qu'elle avait des enfants. When I was looking at you, I said, if you didn't know that I went to pray for your mom, who had 9 kids, but none of her kids was there. Aujourd'hui, soyez dans la joie de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné des enfants qui peuvent aussi me surprendre. Be happy to say, God, thank you for giving me the kids who can surprise me. Et c'est la faveur de Dieu. That's God's favor, amen. Deuxième chose que je voulais vous dire, Maman Gina. Second thing that I wanted to tell you, Maman Gina. Les surprises ne s'arrêteront pas dans votre vie tant que vous compterez sur Dieu. Surprise will never stop in your life as long as you count on God. Il y aura toujours des surprises. You're always going to have surprises. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. The Bible said there's a time for everything. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Yesterday, somebody called me. Il pleurait. That person was crying. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleurais? And I asked, why are you crying? Il m'a dit, pasteur, j'étais en train de suivre sur Facebook. Say, pastor, I was looking on Facebook. Alors, il avait suivi 4 cas de maladies de cancer. He saw 4 cases of cancer. On demandait aux enfants, on demandait à la femme de dire au revoir à papa. They was asking the kid and the wife to say bye to their dad. Les enfants allaient. The kids went. Les femmes sont allées. The women went. Et l'homme était là. And the man was there. Les médecins dit il ne reste pas moins d'une heure. The doctor said he doesn't have over an hour to leave. Et les enfants devaient dire au revoir à leur papa. And the kids supposed to say bye to their dad. Alors celui qui m'a appelé. And the one who called me. Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas vu le sens de la vie. He said, pastor, I didn't see the life meaning. Nous sommes venus accompagner Maman Gina. We came here for Maman Gina. Et j'aimerais dire à tout le monde. And I wanted to tell everybody. Il y a des surprises dans la vie. There are surprises in life. Des fois, sometimes, des choses qu'on n'a pas prévues. Things that we didn't even plan. Ça peut vous arriver. Can happen to you. Ça peut m'arriver. That can happen to me too. On peut dire amen. Can we say amen? Il faut bien suivre ce que je vous dis. Je vous en supplie. Follow what I'm telling you, please. Ceux qui sont malades, Maman Gina, c'était des personnes comme vous. Those who are sick was just like you, Maman Gina. Mais la grâce de Dieu. By the grace of God. A fait que vous soyez vivante. That you are still alive. Dire à Dieu, we're telling God qu'il vous garde encore. To keep you again. La dernière chose que je voulais vous dire. The last thing that I wanted to say. Je te vois à côté de ton mari. I see you on your husband's side. Il y en a qui ont complété 50 ans sans mari. There is those who have reached 50 without husbands. J'aimerais qu'au jour de ta naissance aujourd'hui, I would like the day of your birth today, que votre amour dans le foyer puisse revivre. May your love renew again. Et Papa Hippolyte n'a pas eu honte de ses beaux fils. And Papa Hippolyte was in eating. Il est appelé my baby. He called you my baby. Amen. Tous on les regardait. He was looking at him. Mais là, regardez, je voyais, ah, papa appelle maman bébé. The kids look and say, oh, that is calling my baby. Alors, Papa Hippolyte, nous voulons vous dire que c'est une bébé. Papa Hippolyte, when I tell you she's a baby. Comme elle est bébé. Since she's a baby. Veuillez la supporter. You have to support her. Parce qu'elle doit grandir. Because she has to grow. Mais c'est toi qui l'aidera à grandir. You are the one who's going to help her to grow. Vous avez dit qu'elle est bébé. You said that she's a baby. Donc, ça c'est que vous avez votre grand bébé à la maison. Just know that you have a big baby at home. Il y a un grand-père qui m'avait dit, Jean, les femmes resteront des bébés éternels. There is a grandfather who told me that Jean, that women will be babies until they die. Ça veut simplement dire qu'elle a besoin de votre attention. That just means that she needs your attention. Elle a besoin que tu puisses la chérir. She needs that you to cherish her. Elle a besoin que tu puisses l'aider. She needs you to help her. Aujourd'hui c'est l'anniversaire. Today is the birthday. Et peut-être après 50 ans ça sera aidé. Maybe after 50 years, it's going to be a death. Il faut vous préparer. You have to be ready. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Kefa avait dit pour qu'on termine. I like what the pasteur Kefa said before we end. Je l'ai vérifié aussi. I verified it too. Dans le système aérien américain. In the... yeah. Le système aérien. Le système aérien, qui peut interpréter? Dans les avions, on met toujours un pilote et un copilote. In the airplane, they always have a pilot and the other pilot. Si le pilote est chrétien, if the pilot is a Christian, le copilote n'est pas chrétien. The other pilot would not be Christian. Pourquoi? Why?
ils savent que l'enlèvement peut arriver à tout le monde. Because they know the rapture can happen anytime. C'est comme ça qu'on met toujours un chrétien et un non-chrétien. That's why they always have a Christian and a non-Christian. Si le pilote est chrétien, if the pilot is Christian, il y a l'enlèvement, if there is a rapture, il va partir. He's gonna go. Mais l'avion ne va pas s'écrouler. But the airplane will not le crash. Le non-chrétien va faire atterrir l'avion. The non-Christian will land the plane. Thank you. Donc c'est pour dire que même dans le système politique, ils connaissent que l'enlèvement peut intervenir. So it's for us to say that even in the political world, they know et that the rapture will happen. Les informations, je crois, papa, il y aurait les autres. Vous suivez those who are following the news, vous êtes en train de suivre tout ce qui se passe en Israël. You see all these things that are going in Israel. Et ceux qui lisent la Bible, those who read the Bible, ils connaissent que nous sommes en train d'atteindre un niveau terrible. They know that we're going to a level that's terrible. Vous avez appris l'Iran est entré dans la guerre. You learn that Iran is c'est écrit dans la Bible. It's in the Bible. Tous les pays vont se liguer contre Israël. All the countries will go together against Israel. When you're gonna see that? Vous qui lisez la Bible. You are the Bible reader. Il faut faire attention. You have to be careful. Car l'avènement du Fils de l'homme n'est pas loin. Because the rapture is not too far. Amen. Donc profitez de l'occasion de la naissance de Mama Jeanne. Take this time of Mama Gina's birthday que nous allons dormir, to know that we're going to sleep. Une fois je dormais, one day I was sleeping. Je me suis réveillé. I woke up. J'ai regardé ma femme. I looked at my wife. Elle dormait. She was asleep. Elle ronflait. She was snoring. Je me suis vraiment levé. I stand up. Je la regardais. I was looking at her. J'ai mis la main comme ça. I put my hand. Elle ne voyait rien. She wasn't seeing anything. J'ai mis encore la main. I put my hand again. Elle ne voyait pas. She was in. J'ai levé mes mains, j'ai commencé à prier. I lifted my hand, I started praying. Quand nous dormons, when we sleep, nous mourons. We die. Yes. Quand tu te réveilles, when you wake up, dis merci à Dieu. Thank God. Tu peux dormir avec les enfants, mais tu ne les contrôles même pas. Même papa, je ne crois pas que tu contrôles ton enfant à tout moment. Tu dors. You can sleep with your kids, but you don't control them. I don't think you control your kids all c'est night. Dieu qui nous contrôle. It's God who's controlling us. J'ai commencé à regarder papa Hippolyte. Donc quand vous dormez, s'il y a des insectes, ça peut vous entrer même dans la bouche. And when you sleep, if there's insects, they can't even go in your mouth. C'est Dieu qui nous protège. God is the one who's protecting us. Alors ici, je ne vous parle pas de l'Église. Here I'm not talking about je the church. Je vous parle de Dieu. I'm talking about God. Dieu n'est pas une église. God is not a church. Mais c'est la vie. It's life. Je dire amen. Amen. Dieu vous bénisse, Maman Gina. May God bless you, Maman Gina. Nous sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui j'ai mangé plusieurs sortes de viande. We are really grateful because today I eat a lot of type of meat. Et je dis merci à tous ceux qui ont organisé. And I say thank you to those who put this together. Ça m'a réjoui. I'm really happy. Et j'étais en train de dire à maman Kefa, tu as vu l'endroit. Au mois d'octobre, le pasteur Kefa viendra ici. I was saying, Mama Kefa, c'est son anniversaire. In October, alors, nous allons prier pour Maman Gina. Et nous allons clôturer. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Fermons les yeux, nous allons prier. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois par sa parole, il me conduit, Dieu est fidèle, je vais compter sur lui. Pouvons nous lever. Alléluia, Dieu est fidèle, je
Maintenant, je vais prier après le pasteur Kefa va clôturer. Je voulais dire à Dieu merci pour la présence de papa Hippolyte à côté de maman Gina. Il y a plusieurs hommes qui ne connaissent même pas les dates de naissance de leur femme. J'ai reçu plusieurs femmes qui, des fois, disent « Pasteur, mon mari ne connaît même pas ma date de naissance. » Des fois, il est au travail. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. » Il ne se rappelle pas. Imaginons, quand vous avez un homme qui vous prête attention, c'est la faveur de Dieu. Soyez une femme humble, une femme obéissante, une femme qui est née de nouveau aujourd'hui, une femme qui va faire la fierté de son époux. Une femme qui va faire l'honneur à ses enfants. Une femme qui sera une référence. Avant que nous ne puissions prier, nous avons les mains levées. Je vais demander à maman Gina de pouvoir regarder papa Hippolyte. Et je vais demander à papa Hippolyte de regarder maman Gina. Nous pouvons ouvrir les yeux, pardon. J'avais oublié cela, excusez-moi. Avant que nous puissions prier, je vais demander à maman Gina, de regarder papa Hippolyte. Papa Hippolyte, vous allez regarder maman Gina. Il y a des choses que vous allez faire. La première des choses, j'aimerais maman Gina que vous puissiez dire merci à cet homme qui vous a gardé toutes les années. Et lui demander aussi pardon si les premières 50 années, tu l'avais blessé. Et aujourd'hui, tu renouvelles ton alliance et que tu es en train de vivre de nouveau maintenant. Que tu fasses de belles promesses à ton mari. Je vous laisse 2 minutes pour cela, maman Gina. Regardez votre peau. Veuillez lui parler. Regardez vraiment dans les yeux et parlez. Bonjour, mon Dieu. Vous voulez seulement écouter ce qu'elle dit, non? Non. Je vais demander aussi à papa Hippolyte, on peut acclamer. Je vais demander aussi à papa Hippolyte. C'est votre bébé qui vient de naître. Et le bébé entre vos mains. J'aimerais que vous puissiez quand même souhaiter de bonnes choses. Et si vous l'avez blessé aussi, ça y est, pendant les premières années, si je n'étais pas un bon mari, je l'essayais. Si je ne t'appelais pas bonbon, maintenant je t'appellerai bonbon. Si je ne t'appelais pas sucre, je t'appellerai sucre. Qu'elle sorte avec une autre allure de la vie. Parfait. Je suis un homme comme toute personne peut avoir des erreurs, peut avoir des fautes. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans le passé pendant tout ce temps. Et nous sommes ensemble. Et même pour le futur, parce que je vais faire un effort s'il y a quelque chose qui ne peut pas changer, je vais le changer cela. Je t'aime beaucoup. Je ne sais pas, je parle de mots parce que je sais que tu comme mon cœur de beaucoup de choses. Quand je suis un peu fatigué, c'est toi qui m'encourages de n'importe qui. En tout cas, ça, ce n'est pas n'importe qui. Tu es la maman de mes enfants, de nos enfants. Et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour tous ces enfants qui aujourd'hui font notre joie et la joie de toute la famille. Merci pour tout. Qu'ils te bénissent et qu'ils te gardent davantage. Qu'ils te donnent un cœur d'une maman forte. Que le Saint-Esprit te conduise dans tout ce que tu vas te prendre. Et que ce jour soit un jour nouveau, comme si tu viens de naître à nous. Et pour notre voyage. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Je vais demander au pasteur Kefa qui viendra ici. Maman Gina va s'agenouiller. Nous allons prier pour elle. Bien aimé, lève-nous nos mains. Prions pour dire que le Seigneur la garde, la protège. Protège aussi papa. Peut-être dans vos anniversaires, ça ne s'était jamais fait.
Et c'est ce qui doit être fait, car c'est une autre année nouvelle qui commence. Levons nos mains, nous allons prier. Papa, mettez-vous aussi à genoux à côté de votre épouse, car vous représentez une sainte personne. Nous pouvons prier au nom de Jésus. Nous allons prier aussi. Dieu d'amour, nous sommes honorés. Ils n'ont pas seulement invité les membres des familles. Et ils ont passé aussi dans leur fête d'inviter les serviteurs de Dieu. Comme cela s'était fait à Cana. Ils ne savaient pas à Cana que le vin allait se terminer. Nous ont invités aussi en tant que représentants sur la terre. Nous bénissons maintenant ce foyer, Seigneur, à celle qui commence un autre cycle de sa vie, un cycle merveilleux, différent du passé, plein de joie, plein de bonnes surprises, plein de grâces, à côté d'un homme qui l'aime, d'un homme qui prie pour elle, d'un homme qui se sacrifie pour elle. Prions, Seigneur, que les nombreuses années qui restent dans leur foyer soient les années de gloire. Règne dans ce foyer en maître. Dirige ce foyer, car les erreurs ne manqueront pas. Les fautes ne manqueront pas. Nous t'invitons dans ce foyer une fois de plus. Comme cette personne qui avait organisé la fête à Cana, cette personne avait invité Jésus et ses disciples. Seigneur, ne quitte pas leur maison, ne quitte pas leur foyer. Dans leur faiblesse, sois leur réconfort. Quand ils seront abattus quelque part, que tu sois leur force. Qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils vivent l'amour plus que par le passé. Qu'ils vivent l'unité plus que par le passé. Et que de leur race sortent des hommes et des femmes qui seront bénis dans leur foyer. De la même façon que papa est avec maman. De la même façon leurs enfants seront des mariés. De la même enfants, elles tireront dans les mariages. Dans la même façon, Seigneur, elles seront aimées et ils seront aimés. Nous annulons tous les projets de l'ennemi, les réclamations de famille et autres, l'influence des amis et des camarades. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons tout ce qui ne vient pas de Dieu et nous célébrons Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Aux familles qui m'y a une minute, pasteur Stéphane Pambola. Garde-moi, ô Seigneur, près à toi. Gina, c'est ton jour, maman. Aucune, n'a filmé une minute. Smile, please.
Great camera. Cute.